La sécurité à l'aéroport ou dans les rues de Bruxelles, les policiers assurent des tâches multiples depuis les attentats du 22 mars. Trop, selon les syndicats, même si les effectifs de la police ont été revus à la hausse. Selon nos calculs, eh bien, malgré cette augmentation à 1600 équivalents plein, qui n'atteignent pas d'ailleurs, hein, parce que le vivier de recrutement il est limité lui aussi, eh bien donc, à la fin de cette législature-ci, nous aurons 6600 équivalents temps plein manquants. 6600 pour 50 000 policiers. Et ces policiers sur le terrain doivent maintenir un effort constant, plus possible de récupérer les heures supplémentaires ou de prendre leur congé. Les policiers, depuis les attentats, évidemment, tournent de manière continue, avec des services où il manque 40 à 50% de personnel. Donc on est vraiment dans un flux non-stop. Et le personnel, quelque part, est à bout aujourd'hui. Le Front commun syndical exige une négociation sans délai avec le gouvernement. Pour les policiers, il faut que cessent les coupes budgétaires dans leurs services. Nous voulons des résultats, nous voulons des engagements, nous voulons que cessent les discours lénifiants. Que ce soit du ministre de l'Intérieur qui vend ses idées un peu folles aux téléspectateurs, aux citoyens, comme si c'était des cacahuètes, mais aussi des cadres de la police fédérale, par exemple, ou des chefs de corps qui sans cesse le suivent dans ses délires, sans lui oser lui dire « cessez, arrêtez ». Le préavis de grève est désormais déposé. Il débutera le 16 mars pour se poursuivre jusqu'au 30 avril. Les syndicats de la police fédérale annoncent déjà un durcissement du mouvement si le gouvernement ne s'engage pas à court, moyen et long terme.